Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir, une fois de plus devant mon MangaTech, car on va faire une vidéo que je n'ai encore jamais fait. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je pense que je l'aurais mis dans le titre, mais en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu vas me voir, slash entendre, réfléchir, choisir ma pile à lire pour la semaine prochaine. Le jour où je filme, on est vendredi 4 septembre. D'habitude j'aime bien faire ça le dimanche matin en réveil. Mais là, étant donné que je veux que la vidéo soit postée mardi, techniquement, voire peut-être lundi, je verrai comment je m'organise. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux de la faire un petit peu en avance. Donc, en fait, il faut savoir que même si je te fais une vidéo pile à lire pour le mois, d'habitude, c'est pas ici. Mais là, j'ai laissé là cette fois-ci par flemme. Mais il faut savoir qu'après, j'aime bien le dimanche choisir ma pile à lire pour la semaine d'après. Et donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble, tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être aussi un peu plus intéressant que d'habitude. Tout simplement dû au fait que la semaine prochaine pour moi, donc aussi pour toi techniquement, je pars en vacances de mardi à vendredi inclus. Et je sais que rien que le trajet, je vais pouvoir lire 2 mangas. Donc je vais déjà avoir 2 fois 2 mangas, alors que d'habitude j'aurais lu qu'un par jour. Là, je vais avoir déjà un petit peu plus de mangas à lire que d'habitude. Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais te mettre ici, entre du coup le meuble, la commode que tu as déjà vu plus d'une fois et le lit, parce que là devant moi, si je vais pas plus loin, c'est qu'il y a un lit. Donc je vais te mettre là pour que tu puisses mieux voir les mangas, etc. et tu puisses mieux m'entendre, réfléchir, parce que très clairement là je parle fort pour être sûr que tu m'entends, parce qu'il y a quand même un lit entre nous deux, hein. Mais d'habitude je parle pas aussi fort en fait dans cette pièce, j'ai plus tendance à marmonner, alors je vais faire forcément parler un peu plus fort pour être sûr que tu entends. Mais voilà, je vais pas non plus parler très fort, etc. Et je me dis ça peut être plutôt intéressant que tu m'entendes réfléchir, parce que des fois j'analyse et je fais des petits trucs, je dis des petits trucs des fois qui peut être intéressant, j'en sais rien du tout. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ça. Toujours est-il, donc c'est parti si la suite t'intéresse. Et au cas où, ne m'engueule pas parce que j'ai mis mon verre grenouille ici, parce que c'est encore sous blister. Donc je me permets, c'est encore sous blister. Je sens venir sinon, parce que c'est vrai que moi-même j'aurais du genre à crier au scandale, de me dire putain, il y a un verre là au-dessus d'un pack DVD. Non, non, t'inquiète pas, il y a encore le blister, j'ai fait exprès. Sinon je me serais pas perdu. Donc c'est parti. Donc je sais pas si t'avais vu sur ma chaîne Ibi World, mais j'ai donc le trépied New World que j'utilise. Et il a trois niveaux pour ouvrir au niveau des jambes, j'appelle ça comme ça des jambes. Et j'en ai déjà 2 d'ouvertes, donc je ne peux pas le mettre par exemple là-bas pour que tu puisses mieux voir. Et je ne peux pas non plus te poser sur le lit, j'ai trop peur, c'est trop bancal à mes yeux. Donc voilà, tu vois à peu près. Et de toute façon, je vais juste te montrer vite fait en image pour que tu puisses situer vraiment les mangas que j'ai, surtout ici vu qu'on les voit pas trop. Mais de toute façon, je vais parler et je vais dire les titres. Donc voilà, je te prends. Hop. Et voilà, donc les titres qu'on a ici sont ceux du coup que je dois lire prochainement. Là c'est donc des séries qui ont commencé, où j'ai acheté, voilà, les premiers tomes. Mais elles rentrent pas parce qu'en fait là-bas il y a Fuka qui est presque terminé. Ils ont pris avec le nez, super. Voilà. Et ici c'est devenu bordélique parce que du coup là il y a tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu du coup hier pour moi le colis Hot Manga. Et j'ai reçu aussi ma commande de Boss Love, etc. Donc ça ressemble plus trop à grand chose. Et là je suis contente parce que ma collection Halloween en fait elle fait que la ligne du fond. Parce que ceux qui sont devant, c'est ceux que je vais lire cette année. Voilà. Donc c'est principalement là-dedans que je vais réfléchir. Mais pas que. T'es sur moi, t'es sur moi. On est bon. Donc là on est, j'ai dit, on est vendredi. J'ai lu mon manga du jour, mais si je peux, je vais essayer de lire du coup le yaoi pour vendredi. Du coup, toi tu vas voir, je vais filmer ça sûrement demain du coup. Je brûle pour toi. On va juste poser. Attends, j'ai une meilleure idée. Yeah! Le verre il rentre dans une étagère, ça c'est trop bien. Alors, un petit peu maniaque, on va retourner le bazar. Voilà, donc là, il y a ma pile à lire, du coup, je te les mets comme ça, peut-être qu'après, tu pourras lire les titres. Ensuite, du coup, j'ai... J'enlève mes chaussons parce que là, j'ai trop chaud aussi. J'ai lundi la vidéo ouverture de colis, donc il faudrait au moins... Ouais, c'est le moins...
c'est moins gros et c'est surtout le premier qui était dans la liste. Je vais essayer du coup de lire Chérie, tu me rends folle. C'est ça. De Hot Manga. Il n'y a pas de nichon. Pas confiance avec YouTube. Merci. Ensuite, donc ça, je brûle pour toi demain ce soir. On va commencer ce soir, on finira demain matin. Ça du coup, je le lis aussi demain matin. On a demain. Ensuite. Dimanche, je vais lire le yaoi et comme ça, je filme dimanche après-midi. Mais au moins, j'ai le yaoi pour... Non, faut que je filme demain. On va oublier. Je vais l'emmener, par contre. Alors ça, on va jeter décalé parce que ça, c'est pour demain. Ça, je l'emmène. Par contre, demain, dimanche, je lis pas et je me concentre sur les montages. Ouais, ça peut être bien. Donc là, on est à lundi. Lundi, je suis à la maison, il n'y a rien de spécial, tome 5 de Root End. Voilà. Et donc ça, j'ai dit, je t'emmène, donc toi, tu vas attendre. Deux secondes. Que je réfléchisse. Ensuite, donc du coup, on part mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on revient. On revient le soir. Donc déjà, il faut 4 mangas, voire un peu plus. On va prendre les 3 Root End. D'ailleurs, ils étaient mal rangés. Donc ça, on a dit, c'est pour dimanche. Voilà. Putain, je suis en train de transpirer du béret. Donc ça, j'ai, on va dire que j'ai mardi. Oh, le 8, il est un peu plus épais, dis donc. Ouais, mardi et mercredi. J'ai le one shot de Akata. J'ai ça. Et voilà. J'ai acheté ça. Donc c'est un one shot. Donc je vais l'emmener. Je vais la mise au poisson moi, s'il te plaît. Merci. Donc ça me fera une lecture facile. Et comme ça, quand je rentre vendredi, samedi ou dimanche, dimanche, je pense. Ou non. Samedi, enfin on verra, le week-end, j'avais déjà 2 vidéos à faire. Ensuite je peux prendre, non en fait, ouais, je vais prendre Running Girl, j'ai tome 1 et 2. Fais la mise au poisson mon chéri, fais la mise au poisson, c'est merveille, merci. Donc, j'ai les tomes 1 et 2 de Running Girl. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais lire ça mardi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Comme je ne suis pas chez moi, mais je rentre vendredi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ça mardi. Et que je vais faire une commande Amazon pour avoir le dernier tome. Ouais, je demande pas à Kata. Comme ça, dès que je rentre, je peux faire la vidéo. Enfin, je lis... samedi matin le manga, et donc si je fais même samedi après-midi, j'aurai lu ça. Comme ça, j'ai ces deux-là, plus ça en vidéo. J'ai une vidéo pour octobre, j'ai 2 vidéos pour septembre. Voilà. Alors, là, du coup, je vais peut-être te baisser pour que tu puisses revoir la pile. Voilà, hop. On va faire comme ça. Tu me vois plus, mais c'est pas grave, t'as la pile. Je sais pas si tu vois très très bien les titres. On va faire ça proprement. Voilà. Comme ça, tu peux voir ce que je vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que mardi, mercredi, on va dire jeudi, et j'ai vendredi. Donc là, j'ai mon voyage. On va en prendre un au cas où. Parce que je n'aime pas partir avec juste le strict minimum. Merci. Donc là, on est bon officiellement. J'aime bien toujours avoir un manga de trop au cas où qu'il se passe un truc. Mais je ne peux pas prévoir, par exemple, Harry Fureta. C'est ma bouteille qui a fait des claques. Ok. Donc je ne peux pas, par exemple, prévoir Harry Fureta parce que même en admettant que je lise vendredi,
Je repars lundi d'après et je rentre le dimanche. Donc, j'aurais pas reçu Harry Forêt à tome 2. Et je préfère pas me casser le cul à voir si je peux choper pendant que je suis pas là. Ça me ferait chier. Enfin, pendant ma semaine de la deuxième semaine, quoi. Donc, je vais prendre. Je l'ai pas mis, lui. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Route N. Ah ben non, en fait, ce que je vais faire, je prends route N ici. Donc, je finis route N. Clac. Je lis du coup Running Girl et machin. Ça me fera 3 vidéos quand je rentre. Ok. Plus, il faudra que je fasse le vlog. Attends, on va juste te mettre là 2 secondes. Tu bouges pas, t'es gentil. Et donc, ça, pour ce qui me reste de la semaine. Donc, jusqu'à lundi. Donc, je brûle pour toi ce soir. Samedi matin. Dimanche, pas de vidéo. Je lis rien. Et lundi, je lis du coup Libertin. Comme ça, même quand je rentre, je peux présenter Libertin. Mais si ça fera une semaine à peu près, je l'aurai lu. On va l'embarquer et je vais. Non. On va mettre machin. De toute façon, j'aurai jamais le temps de le filmer là. Et j'emmène Libertin. Oh oui, non mais tu vois, hein, c'était compliqué hein, de créer, de choisir finalement. Voilà, j'emmène ça avec moi. Parce que même si je n'ai pas lu le Libertin et le piège, d'amour, pardon, j'allais dire pêche charnelle, je peux le lire samedi matin. Donc ça c'est bon. Et pour le reste de la première semaine, du coup il y a le samedi et le dimanche, on va prendre de hentai. Parce que sinon, j'ai pas les hentai de la semaine où je pars. Et comme j'ai pas reçu encore ceux de. Enfin voilà, j'ai reçu que 4. Et j'ai pas reçu les suivants. Oui, t'es toujours focus sur moi. T'es toujours focus sur moi, c'est bien. Comme je n'ai pas reçu les suivants, du coup, je vais m'occuper de ça. Samedi, dimanche. Et je filmerai dimanche. Ah ouais, non, je peux pas. Ça va être trop compliqué. J'en prends un. J'en prends un, j'emmène les 2 autres hentai et je les lis là-bas. Et au pire, je verrai si là-bas je peux filmer ou pas un AFI. Ouais. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Clac. Ikita ! Main trop petite. J'ai oublié ce détail. Donc, j'ai là. Et donc, la semaine où je pars entier, je prends... C'est 2 hentai. J'emmène. Non, je suis déjà lu ça. Et j'ai dit que je prenais les détectives Conan. J'arrive. Donc j'ai fait demi-tour, tu vois bien, j'ai pas les détectives Conan. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rappelé que oui, je les ai en format papier, mais je les ai aussi en format numérique. Ça serait peut-être plus pratique. Sachant que je pars une semaine et que je vais avoir les valises plus que remplies. Ce serait bien que je favorise le format papier parce qu'en plus il faut que je ramène 3 hentai avec moi. En plus de ces deux-là que j'ai déjà lu, 3 hentai que j'ai déjà lu, il faut que je les emmène avec moi. Donc du coup, je vais juste prendre ça et ça, sachant que là j'ai aussi d'autres. Pardon, j'ai oublié que si je secouais, ça s'allumait tout seul. Donc j'ai pas mal de volume dessus, j'ai même 1 ou 2 autres séries à lire. Donc voilà, donc ça sera ça et Détective Conan. Comme ça, au moins, j'aurai lu enfin mes Détective Conan parce qu'au final, je ne les ai pas lus cet été. Je suis une merde, je le sais. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va préparer la 3e semaine, la semaine où je reviens, parce que très clairement, c'est pas le dimanche où je vais rentrer, où j'aurai le temps, c'est pas lundi où j'aurai le temps. Donc, très clairement, il faut que j'y réfléchisse. Et ben, on va faire très simple. La semaine 3. Je lis ça. Vampire, voilà. Or Little Secret. J'ai collé 2 premiers tomes, mais voilà. Il y a... on peut pas le focus sur moi. Les Rivières Rouges de l'Adultère et Harry Furetta, le tome 1. Le tome 2 est déjà sorti, je sais. Donc ça me permettra de l'acheter en boutique mardi. Parce que mardi, j'ai cinéma d'ailleurs. Voilà le...
J'ai cinéma et donc du coup, je vais prendre Harry et Furetta en premier pour lundi. Et mardi, je lirai du coup le All Little Secret. Comme ça, mardi en allant au cinéma, je prends le tome 3 si ça m'avait plu, le tome 4, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant et surtout en commentant, en me disant justement si ça te plaît ou pas, que je te fasse ça à chaque fois quand je pars comme ça en vadrouille etc, parce que là faut réfléchir un peu plus. Après est-ce que ça t'intéresse que je fasse ça vraiment par exemple même en peut-être version accélérée, express ou quoi, quand je sélectionne les mangas que je vais lire du coup pour le mois, tu sais. Ça serait inclus dans la vidéo pile à lire du mois, par exemple, pile à lire du mois de septembre. Je t'aurais rajouté un petit truc comme ça en mode express ou pas. N'hésite pas à me dire tout ça pour savoir. D'ailleurs, j'envisage très clairement aussi de faire quelque chose, une vidéo ou quoi, par rapport à ma pile à lire. Je ne sais pas trouver une solution en fait pour... Alors, il faut savoir qu'il y a un temps, il y a quoi, 2 ou 3 ans, j'avais... Ils sont où d'ailleurs? Ils sont où? Si, j'en ai un. J'en ai 2. Oui, je les ai retrouvés. Je m'étais pris des pots comme ça, alors là, très clairement, hein, voilà, c'est du recyclé. C'est clairement du recyclé. Mais je m'étais fait, tu vois, un pot avec écrit wishlist. Et un autre avec écrit à relire. Et il y avait pile à lire. Et donc, en fait, de base, j'avais prévu, et ça, on l'avait fait ensemble une fois, je sais plus trop comment, mais bon, on l'avait fait ensemble. J'avais mis les papiers de les listes, par exemple, de ma wishlist, les titres de ma pile à lire et les titres que j'avais à relire, et je devais piocher une fois par mois, tu sais, pendant la vidéo achat du mois, je devais piocher un manga de ces bocaux et donc acheter ou lire, relire un titre que j'avais choisi aléatoirement du coup dans ces pots. Je sais pas si on fait ça, si on fait ça autrement, mais il faut que je trouve une solution pour me motiver à chaque fois à lire les titres comme ça qui sont déjà terminés depuis une éternité et tout ça que j'ai en... Ça va pas, ça fait... Il y a des titres, il y a Noura que j'ai acheté en 2013 ou 2014. C'est vraiment plus possible quoi. Et puis là je vois chez Kamakura Dayori, je l'ai acheté du coup il y a 2 étés en arrière. Rendez-vous sur la pluie aussi. Ça fait 2 ans, que, donc 2 étés qui sont là. Ouais, c'était l'été de l'an dernier je crois, ou l'année d'avant, je sais plus, où je les ai achetés. Et je les ai toujours pas lus. Ils sont là et puis c'est tout. Donc il faut vraiment qu'on trouve une solution, toi et moi, pour savoir ce qu'on en fait. Donc toujours est-il, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée, elle a été donc 10 fois trop longue. N'hésite pas à me dire si t'as une idée, si on fait le coup des bocaux ou si on trouve une autre solution pour ma pile à lire, parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc n'hésite vraiment pas à me dire si ce concept t'a plu. Si tu veux, je fasse une mini comme ça, quand je fais juste ma sélection des titres pour la vidéo pile à lire du mois. Et voilà, et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!